morfin. Devant nos yeux, les villages tout blancs et les petits sapins. Parfois je crie car ça penche un peu, c'est l'instant des fois. Toi, tu souris, j'ai le cœur amoureux et le bout d'une effroie. Toi, tu souris, j'ai le cœur amoureux et le bout d'une effroie. Et le traîneau joyeusement dévale à travers les coteaux. Dans le vallon s'approche l'hiver, mais le ciel est bleu. Ah, qu'il fait bon faire un tour au grand air comme des amoureux. Hurry up, hurry up, hurry up, ohé, ohé du traîneau. Oh, mais coupez-vous bien dans vos manteaux. En Grande-Bretagne, l'époux de la reine Victoria, le prince Albert d'origine allemande, fit dresser un sapin de Noël au château de Windsor en 1841. De la cour, la mode du sapin de Noël se répandit rapidement dans la bourgeoisie, puis chez les gens du peuple. Le Père Noël, c'est un personnage tout récent. Il a débarqué en France avec les Américains. Il date de la mode des grands sapins, illuminés au carrefour et dans les rues des villes. Le Père Noël n'est pas si vieux qu'il le paraît, malgré l'opposition de l'Église et son égard. Mais fortement promu par les médias, il s'est vu petit à petit parvenir à la première place, détrônant Saint-Martin, ici éclipsant quelque peu et de plus en plus Saint-Nicolas. Là, balayant bonhomme janvier, surpassant tante Harry dans la région de Montbéliard et de plus en plus supplantant. Le petit Jésus, à chacun, il a emprunté quelques traits typiques. Ainsi comme la tante Asie, il aime particulièrement pénétrer dans les maisons par la cheminée, où le Saint-Nicolas, il a l'âge et la barbe. Pourtant, le Père Noël est unique. Son habit est anglo-saxon. C'est un vieillard bien gaillard, cependant à la grande barbe blanche, revêtu d'une longue ou pelande rouge, bordée de fourrure et coiffé d'un bonnet rouge. Également agrémenté de fourrure immaculée, porte une hotte sur son dos, remplie et même souvent et débordante de jouets. Il se déplace à travers les airs sur un traîneau tiré par les rênes. Il paraîtrait d'après un tout jeune garçon qu'il envisage dorénavant un moyen plus supersonique. Les enfants de l'an 2000 verront bien, mais pour l'instant, le traîneau attelé de rênes, tintinabulant et fendant les airs, convient bien à notre bonhomme. Il dépose durant la nuit tous les cadeaux au pied de la cheminée ou de l'arbre. Autrefois, il s'agissait un peu de choses, les sabots et talons déposés près de l'âtre avant d'aller se coucher. Le lendemain matin, les enfants découvraient dedans les cadeaux, les gâteaux, des friandises. En fait, de l'Antiquité, ils étaient de tradition de s'offrir des cadeaux au moment du solstice d'hiver. Par la suite, ce sont les seigneurs dans les campagnes, les bourgeois dans les villes qui distribuaient aux enfants quelques gâteries peu à peu. Voilà. Peu à peu. Et d'habitude, étant acquises, on leur a substitué quelques personnages légendaires. Et puisque c'était Noël, on a aussi imaginé que Jésus, enfant parmi les enfants, pouvait se charger à son tour d'apporter la joie sous forme de cadeaux. Noël, c'est l'amour sous toutes les formes. Donner de l'amour aux gens, persévérer. L'amour autour de tout, éviter les mauvaises histoires, passer lors d'une rencontre familiale, partager les mots d'amour à tout et penser à rendre les gens heureux.
C'est quoi ce machin? C'est un cornichon en bois. Pourquoi tu l'as peint en marron? Il est pas peint, c'est du sang. Je me suis coupé la main en te le faisant. Oh. Oh merde, gamin, je sais pas. Merci. Il n'y a pas de quoi. Bonne nuit, Père Noël. Bonne nuit, sœur de Madame Père Noël. Bonne nuit, trésor. Oh, la salle. C'était trop mignon. C'est vraiment un amour, cet enfant, tu trouves pas? Ouais, ça ressemble à ça. Viens là, mon cœur. Viens là. Quoi? J'ai fait un truc bien. Je suis un peu fatigué. Dieu de merde. Ah, oh merde. Tu veux voir mon bulletin scolaire? T'es dingue, tu m'as foutu la trouille. Tu trouves que j'ai assuré? Comment tu veux que je le sache? J'ai pas encore vu ce truc. C'est qui d'abord ce Turman? C'est toi? C'est ton prénom, Turman? Oui. Turman Merman? Oui. J'hallucine. Alors, tu trouves que j'ai assuré? Mon avis, qu'est-ce que t'en as à foutre? Je dirais que t'as plus assuré que moi. J'ai jamais eu aucun B, moi. Je me suis dit que là, au moins, comme j'ai été bon à l'école, peut-être que tu m'apporterais mon cadeau. L'année dernière et l'année d'avant, ben, tu m'as rien apporté du tout. Très chers téléspectateurs, je vous souhaite joyeuses fêtes à tous.